Test, est-ce que ça marche bien? Live est prêt? Tout le monde est prêt? Est-ce que ça marche bien? Live est prêt? Tout le monde est... Ok les amis, c'est parti. Non, je voulais m'entendre à moi pour être sûr que le micro marche bien. Bref. Alors, on ne va pas jouer à Day Rising comme vous êtes en train de voir. On va parler de Star Wars, ou plutôt dire de la série Obi-Wan Kenobi. Mais avant ça, on va faire un sabre laser, non? Yes. Comment peut-on parler d'une série sans avoir le sabre laser? Bref, on est là pour parler de la théorie. Donc avant tout, je vais dire bonjour Twitter, enfin non. Bonjour YouTube, bonjour Twitch. Bienvenue pour cette vidéo YouTube et ce live sur Twitch. Eh oui, le sabre. Ou plutôt dire le sabre laser. Vous voyez comme c'est pas mal ça? Eh salut! Donc, comme je disais, on est là pour parler de la série Obi-Wan Kenobi. Donc, avant tout, je vais vous pas. Donc aujourd'hui, on ne fera pas de GTA, pas de Pokémon, parce que ça, c'est demain. Donc, on est là pour parler de la série Obi-Wan Kenobi. Donc, avant de commencer, je vais vous dire. Voilà ce que j'aimerais voir et donner mon avis, ce que je rêve de voir dans cet épisode 6 qui va durer, d'après des rumeurs, 1 heure et demie. Dans l'épisode 6, c'est ce que. D'après ce qu'on m'a dit dans l'épisode 6 d'Obi-Wan Kenobi, c'est ce qui va arriver. Donc, pour commencer, alors c'est une théorie et à la fois ce que j'ai envie de voir, j'aimerais merci, ah oui. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en live sur Twitch, donc j'aurai des commentaires à parler, donc oui. Donc je répondrai après. Donc, je rêve de voir dans l'épisode 6. Je rêve de voir Obi-Wan Kenobi. Non, pas n'importe quoi. Je rêve de voir Qui-Gon. J'ai trop envie que dans cette série, on nous mette Qui-Gon, qu'il fasse une apparition et qu'il puisse parler à Obi-Wan pour l'aider dans son aventure. Ça, c'est une chose que j'aimerais trop voir. Ensuite, comme ça va durer 1 heure et demie. J'ai trop envie, franchement. Alors, je vous dis honnêtement, hein, c'est une théorie et des avis que j'ai. Et des avis que j'ai. C'est-à-dire ce que je rêve de voir dans la série. Donc, la seconde chose que je rêve de voir, bon, pas sûr que ça arrive, mais on peut espérer, serait de voir Obi-Wan aller sur Dagobah pour voir Maître Yoda. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool le cas, ça. Ah oui, pour faire une aparté, oui, il y aura bien des lives sur ce jeu qui s'intitule Day Rising. Enfin, pour ceux qui savent pas. Ensuite, voilà, parler de. Ouais. De Maître Qui-Gon. Ah oui, et voilà autre chose. Alors, bien sûr. Je pense qu'on l'aura. Je pense qu'on aura vraiment un affrontement à nouveau entre Dark Vador et Obi-Wan. Je pense qu'on pourra pas. On sait qu'il y aura peut-être un dernier combat. Et ensuite, ce que j'aurais, ce qui serait possible de voir, mais pas sûr. Je rappelle que tout ce que je dis sont de ce que je rêve de voir et des théories. Hein. Ce que j'aimerais trop voir serait de voir. Dark Vador aller sur une planète, aller sur Naboo, pour aller là où Padmé se trouve. C'est-à-dire dans, là où il y a son grand cercueil, si vous préférez. Voilà. Ça, c'est
Attends, et est-ce que j'ai évoqué tous les sujets? Ben, en fait, non. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire pour finir, parce que ça sera court, hein, je précise bien. Moi, je kiffe vraiment cette série Obi-Wan Kenobi, sur Disney Plus. C'est une série que j'adore particulièrement. Et bien sûr, j'espère que tout ce que je dis aura lieu. Ça, il faut savoir que si ça a lieu, comme j'en rêve, ça serait cool. Attends, pourquoi j'ai enlevé ça? Excusez-moi. Voilà, ça c'est tout ce que j'aimerais voir dans cette série. Voilà. Donc en résumé, si je résume tout ce que j'ai envie de voir dans la série, serait de voir. Ça serait de voir des apparitions ou des flashbacks de Padmé. D'autres flashbacks comme on l'a eu dans l'épisode 5 de Anakin Skywalker. Et bien sûr, Qui-Gon. On rêve trop de le voir et Maître Yoda. Bien sûr, hein, concernant Leïla, je ne sais pas comment ça va être, mais je pense que ça va bien se finir. Ça, je ne m'en doute pas. Bien sûr qu'il prévoit une saison 2, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ou ce live, parce que de toute façon, c'est un live court, hein, comme j'ai dit. Hein. Comme toutes mes vidéos sont enregistrées par Twitch. Alors, la vraie, je ne peux pas utiliser d'autres façons de vous parler, mais j'ai préféré utiliser cette méthode. Avec une personne qui a un sabre laser. Plutôt qu'être sur un écran de GTA ou de Pokémon. En plus, il n'y a pas de musique dans ces pratiques. Donc voilà, moi je vous dis qu'on essaiera un jour de faire un live sur ce jeu. Mais il y a eu des vidéos hein, sur ce jeu, je précise. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Bien sûr demain, ou autre jour, vous verrez comme d'habitude mes vidéos de GTA. Donc je dis merci à tous, abonnez-vous, lâchez votre like et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir tout le monde et merci encore.